Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit glitch qui va vous permettre de faire disparaître votre arme, qu'elle soit principale, spéciale ou lourde, peu importe. Alors vous allez me dire dans un premier temps que ce petit glitch n'a pas réellement d'intérêt. La vérité, c'est que vous pourrez constater dans une deuxième vidéo que ce glitch peut vous permettre d'obtenir des munitions lourdes en illimité. Donc je vous présente le glitch dans un premier temps et je vous inviterai à regarder la seconde vidéo qui va suivre afin d'en savoir plus. Avant de commencer, je vais vous demander de vous équiper bien évidemment de votre jeu sur votre console allumée et de mettre en place votre personnage et de sélectionner une arme que vous pourrez démanteler. Je vous recommande bien évidemment de prendre des armes vertes ou rares et d'enlever absolument tout le stuff légendaire ou exotique que vous possédez sous peine de prendre le risque de le démanteler sans faire exprès, ce qui pourrait vous faire quelque peu rager. Dans un deuxième temps, je vais vous demander de vous connecter à l'application Bungie.net. Peu importe le moyen, que ce soit sur PC, smartphone ou tablette, l'intérêt c'est de pouvoir avoir accès rapidement à votre personnage et à votre équipement. Une fois ceci fait, la technique est très simple. Elle consiste simplement en le fait d'équiper votre arme sur l'application en même temps où vous la démantelez sur la console. Donc je vais vous montrer en image. Pour ceux qui éventuellement auraient des doutes, sachez que l'écran de fond, c'est celui de ma console et la petite fenêtre sur la droite, c'est celle de l'application. Donc c'est parti, je me place actuellement sur mon arcaniste. Je vais donc devoir sélectionner l'arme que je souhaite démanteler sur l'inventaire de ma console et je vais devoir faire la même chose comme je viens de vous l'expliquer en même temps sur l'application. Donc vous allez voir que la manip, elle tient à très peu de choses, mais une fois que vous avez compris le bon moment où il faut procéder, vous allez voir que c'est très simple. Donc je vais démanteler le bouffon, je me place donc sur mon inventaire d'armes lourdes et je le démantèle au même moment où je fais équiper l'arme sur l'application. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, pas très bien vu parce que c'est très rapide, sachez que la petite différence c'est simplement d'équiper l'arme sur l'application au moment où vous arrivez à la fin du démantèlement sur la console. Donc il faut bien évidemment commencer par le démantèlement, mais le jeu est très rapide donc à vous d'être très efficace. Donc pour vous montrer, je recommence avec la Galarde B sur les armes principales. Donc vous avez vu, je simule plusieurs démantèlements sans aller jusqu'au bout. Je me tiens prête avec mon application en parallèle et j'arrive à la fin du démantèlement. Au même moment, j'équipe l'arme et donc le bug va pouvoir se créer. Pour être bien sûr que le bug a marché, il faut d'abord constater deux choses. La première, c'est que l'arme sur le personnage devient transparente et la case d'équipement d'arme est devenue complètement vide. Donc si jamais ça bug un petit peu et que vous ne voyez pas la case vide, il vous suffit simplement de faire un retour en arrière et de revenir sur votre équipement pour constater que la case a bien été vidée de son équipement. Donc la petite particularité, c'est que vous pouvez vous rendre dans votre coffre et prendre par exemple une autre arme qui se trouve déjà dans votre inventaire. Celle-ci ne reviendra pas se placer sur la case vide, mais elle se mettra dans une nouvelle case qui s'est créée en dessous des équipements de votre arme principale. Je vous retrouve pour la suite dans une seconde vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous expliquer ce fameux bug des munitions violettes en illimité. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à la partager, à la liker ou à me faire part de votre avis et de vos impressions en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao !